Le Seigneur dit, les dauphins sont mes messagers. 9 octobre 2016, parole de Abba à sœur Gwendolyn Rexong, traduite et lue par Justine. Voici une correspondance spéciale directement du trône du Créateur Dieu, Yahuwah Elohim. Ce message est pour tous les enfants de Dieu qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce que l'Esprit du Dieu vivant souhaite dire à ses saints enfants à la fin de l'ère de l'Église. Mes très chers, c'est avec une grande joie que je délivre ce message à ma fille et messagère des temps de la fin, Gwendoline. Mes enfants, j'ai envoyé mes puissants messagers à travers tous les océans et mers de la terre pour alerter ma précieuse faune marine de l'arrivée prochaine de mon fils. La connaissance de ce qui va se produire leur a été donnée, et ils ne seront pas effrayés par l'ivraie qui tombera du ciel au-dessus d'eux. Je suis un créateur très bon et compatissant, et pour des raisons que je suis le seul à connaître, je dois alerter officiellement toute ma précieuse création de la venue très proche de mon fils. Savez-vous, mes très chers, que tout ce qui a été créé dans les océans de la terre adresse des louanges à l'unique vrai roi? Savez-vous que lorsque j'ai créé mes puissants messagers, les dauphins et les baleines, je leur ai attribué une grande intelligence qui dépasse même ce que les scientifiques des temps modernes sont capables de comprendre. Ils ne sont pas capables de tester les régions du cerveau qui sont spécialement conçues pour les missions que Dieu leur a données. Ils ne sont pas capables de tester les parties de leur cerveau qui donnent des instructions particulières aux animaux des océans et des mers au sujet des calamités qui vont s'abattre sur la terre. Ils ont été créés selon un schéma très particulier, tout à fait unique. Et ils ont même la capacité de chanter des louanges au roi, tandis qu'ils informent les autres animaux marins. J'ai implanté des chansons particulières dans leur cœur sur l'importance d'adorer l'unique vrai roi de la terre et sur la nécessité d'annoncer l'arrivée de son fils. Ils portent la lumière et leur mission sans jamais se plaindre. Ils ont l'intellect d'un enfant en CM2, 10 à 11 ans. S'ils étaient testés selon les standards humains. Ils ne connaissent pas la peur et ce sont des créatures très déterminées. Leur mémoire est parfaite et leur capacité à résoudre une situation est sans comparaison. Je sais que beaucoup de mes enfants adorent les dauphins et leur manière d'être si spéciale et joyeuse. Je ressens la même chose quand je prends le temps de les admirer nageant gaiement à travers les eaux. Rappelez-vous, mes enfants, il est dit dans ma parole sainte que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je suis très fière de ces précieuses créatures pour leur service auprès du puissant trône de Yahuwah. C'est tout pour aujourd'hui, mes très chers. Avec amour, Yahuwah Papa.